Hello tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais ma lessive liquide pour mon linge à la maison. Alors, pour faire notre savon, on aura besoin d'un savon de Marseille, un savon sans huile, de cristaux de soude, du vinaigre blanc et d'huile essentielle et d'un pot vide. Là où on va mesurer notre bouteille, notre lessive pour pouvoir la conserver. Donc, on va commencer déjà par mettre de l'eau du robinet dans notre bouteille. Casserole au feu. Voilà ma bouteille que j'ai remplie d'eau. Je vais venir renverser ça dans ma casserole. Voilà mes 3 litres d'eau. Ensuite, on va mettre un demi-verre de cristaux de soude. Voilà. Un demi-verre de cristaux de soude qu'on va venir renverser dans notre eau. Et à l'aide d'une cuillère en bois, on va venir mélanger tout ça. On va rajouter notre vinaigre blanc. Voilà. Un verre de vinaigre blanc. Savon que moi j'ai coupé comme ça. Voilà mon savon que j'ai coupé en petits morceaux. On va venir le rajouter. Et vous le mettez par contre à feu doux. Vous laissez ça comme ça à feu doux pendant 5 minutes. Voilà, voilà les amis, une fois que les 5 minutes sont passées, vous allez enlever votre savon sur le feu, vous posez un torchon et vous mettez votre casserole dessus. Là, vous, si vous voyez bien, mon savon, il a commencé, il est devenu tout mou. Et ensuite, avec un mixeur plongeant, on va venir mixer tout ça. Voilà, une fois que j'ai mixé, on a fini de mixer. Voilà notre savon, comment il est après. Si vous regardez bien, vous voyez comment c'est. Après, ça va devenir plus lourd quand ça va reposer. Voilà. Comment il est après notre savon. On va le laisser refroidir et après, on va renverser dans notre bouteille. Donc, voilà, voilà notre savon. Une fois que c'est prêt, on va venir le renverser dans notre bouteille. Voilà, voilà mon savon, il est rempli, je l'ai rempli et ensuite on va venir ajouter notre huile essentielle. Moi j'ai pris l'huile essentielle de citronnelle, mais vous pouvez prendre l'huile essentielle de votre choix, ça ne dérange pas. On va venir ajouter 15 gouttes. Et voilà. Ensuite, on ferme notre bouteille
Et on secoue bien tout ça. Et voilà. Et à chaque lavage, avant de faire notre lessive, on secoue bien et on renverse. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà notre savon. J'espère que vous avez aimé ma petite recette pour la lessive. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser les pouces en l'air. Abonnez-vous, partagez les vidéos et on se revoit très très bientôt. Bisous!